Bon, et bien Benoît, on se retrouve pour la première activité. Alors aujourd'hui, pour cet Atelier Week Change, on va parler des loisirs. Est-ce que tu sais ce que c'est un loisir ? Eh bien, je dirais que ce sont des activités qui nous détendent, qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Mm-hmm. Voilà. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit brainstorming, une petite réflexion autour des loisirs. D'accord. Et vous aussi, les enfants, quelques loisirs. Vas-y, Benoît, essaye de trouver des idées. Pendant mes loisirs, j'aime bien Qu'est-ce que tu aimes bien faire ? Du sport. Ah, du sport. Alors, par exemple, quel sport ? Jouer au football. Allez, bah, je vais écrire. Hop. Voilà. Le football. Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre ? Je vais mettre dans le sport. Ah, du tennis. Tu aimes bien le tennis aussi ? Oui. Ok. Alors, autre que des sports, est-ce qu'il y a d'autres loisirs qui existent à part le sport ? On n'est pas obligé de... Bien, pas que le sport. Non, alors moi j'aime bien tout simplement être dans la nature et observer les oiseaux. La promenade ? Voilà, les fleurs. Promenade. La promenade, c'est vrai que c'est toujours très pratique et très sympathique. Alors, c'est plutôt des sorties. La famille des sorties, finalement. Et j'adore aussi jouer avec des jeux de société, mm-hmm. ou... Ouais. Allez, bah des jeux. Ouais, des jeux, voilà. Hop. Alors, en général, on s'amuse hein, dans tous les cas, mais parfois, c'est vraiment des jeux. Ouais. Alors, les jeux de société. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes d'autre ? J'aime bien également... chanter, danser. Ah oui, moi aussi j'aime bien faire de la musique. Ça c'est plus les activités qu'on appelle culturelles peut-être. Culturelles et créatives. Créatives, ouais, c'est ça. Voilà, inventer une chanson, ça c'est trop bien. Créative. Fais bouger tes mains au rythme du refrain. Fais bouger tes pieds. Donc par exemple, chanter. Chanter, danser. Bah je vois que t'as plein d'idées. Voilà. Donc plutôt les sports, les sorties qu'on peut faire en famille, oui. Alors la promenade, mais il y en a plein d'autres, des jeux, ou même des activités plus créatives. Dessiner, colorier, peindre. Mmh. Et bien les enfants, on vous laisse continuer le brainstorming, à vous de trouver un peu plein d'autres idées, et surtout bah, pensez à ce que vous aimez faire quand vous n'êtes pas à l'école. Les loisirs, c'est tout ce qui sort de l'activité scolaire, donc ça peut être dehors, en extérieur, mais ça peut aussi être à l'intérieur, à la maison, tout seul, avec des amis, tout est possible. À vous de trouver encore plein d'autres idées. Épreuve d'imagination.